De actie vandaag moet een keer aanschouwelijk maken wat dat betekent, die transfers. In biljetten van 50 euro, een biljet dat toch het meeste wordt gehanteerd door modale mensen, iets dat hij kent, om de 11,3 miljard, een cijfer dat een ander eigenlijk niet meer ernstig wordt betwist of aangevochten. Wat dat betekent in volume? Ik ben een beetje surpris de l'initiatief, parce que je pense qu'a priori elle a quelque chose d'agressif qui peut être contre-productif dans la perspective des négociations qui vont arriver. Mais je suis curieux et j'attends de voir. En zo ziet dat eruit. 11,3 miljard op weg naar Wallonië in 12 bestelwagens. Becijferd door de Vlaamse administratie is wat er via de federale begroting, de sociale zekerheid, de financiering van de deelstaten en de staatsschuld jaarlijks naar Wallonië gaat. En dat wil N-VA niet toevallig illustreren bij de scheepslift van Strepy, wat voor de een een schoolvoorbeeld is van verfoeilijke wafelijzerpolitiek. Investeringen in Vlaanderen altijd werden gecompenseerd met investeringen in Wallonië. En die niet altijd oordeelkundig zijn besteed. Maar voor de ander gewoon is hoe het vroeger nu eenmaal ging. Au départ, l'État belge payait pour tout le monde. Il a payé pour Zeebrugge. Il a payé au début pour ceci, 11 milliards, je crois. Et puis, la région Wallonne, tout à fait logiquement, à partir du moment où l'État est devenu fédéral, a continué à payer. Mais je voudrais dire que ce n'est pas du tout un travail inutile. Wij willen wel degelijk solidair zijn. Ook als N-VA laat ik het mij niet zeggen dat wij egoïsten zouden zijn die het geld in onze eigen zak willen steken. Wij willen van gemeenschap. Vous comprenez le néerlandais? Un petit peu. Je suis pas un spécialiste de la langue de Vondel, hein. Je préfère Voltaire à Vondel, mais je comprends un petit peu okay. Quand même. Et qu'est-ce que vous avez retenu de cette petit speech? Ah ben c'est le message qu'il a voulu faire passer, hein. C'est les transferts d'argent entre Flandre et Wallonie. Je pense que sur les chiffres, il est peut-être pas tout à fait exact. Moi j'ai eu d'autres chiffres du côté wallon, évidemment ils ne sont pas d'accord. Maintenant je suis un peu déçu par l'opération. Je pensais que ça allait être plus spectaculaire, hein. Tous ces camions remplis d'argent. Je pensais que les Flamands sont d'habitude plus forts, plus proches des médias que les Wallons. Point de vue politique. Et donc je m'attendais vraiment à ce qu'ils déversent tout dans le canal ici. D'ailleurs, il y a pas mal de gens de la police qui étaient là pour les en empêcher parce que c'est illégal. Alors le fait d'imprimer des faux billets, c'est illégal aussi. Bon, c'est symbolique. Nous aussi, on pourrait tout de même dire que par rapport à la Flandre, nous, on vous a aidé aussi beaucoup. Maintenant, il vient dire qu'il nous renvoie un peu l'appareil et il vient chez nous en disant que la Flandre nous aide énormément, ce qui est faux puisque nous aussi, nous avons nos chiffres. Wordt dat soms hier allemaal even opgeschreven? Krijgen allemaal een boete. Dat is fout parkeren. Dat is toch onvoorstelbaar. Ja. Ook de Waalse minister van Economie heeft de actie intussen veroordeeld als een stupiditeit. Het water tussen N-VA en de Walen is behoorlijk diep, al hoeft dat niet te verbazen natuurlijk. Maar met communautaire besprekingen voor de deur, volgende week al over Brussel-Halle-Vilvoorde, liggen dit soort acties misschien extra gevoelig. Je pense qu'il y a déjà un vice de forme ici à la base, parce que le N-VA n'avait prévenu personne. La police a été prévenue par nous, et les gens de la région Wallonne ont été prévenus par nous aussi. Et d'ailleurs, eux ont préféré ne pas venir ici pour ne pas envenimer la situation. Donc je pense que pour un forum, il faut qu'il y ait un dialogue, ça veut dire deux. Tandis qu'ici, eux, ils viennent tout seuls, ils viennent faire leur monologue sans prévenir personne. Donc là, je pense qu'il y a déjà une erreur à la base. Question en français, les réponses en flamand? On va essayer comme ça, parfait. Moi, je pense qu'il faut pas toucher à Bruxelles, à Alvilvoort. C'est un truc qui est Anspreekbaar, comme on dit en néerlandais. Qu'est-ce qui est contre? Contre le splitting, contre la scission. Pourquoi est-ce qu'on est contre? Ça, c'est un débat politique dans lequel je peux pas rentrer et ça ne m'intéresse pas d'y rentrer. Maintenant, je pense que les hommes politiques ont leur raison de demander ça. Un beetje willen stoken zo? Voordat we niet over stoken. Kijk, ik ben van opleiding onderwijzer en men heeft mij altijd gezegd als je iets moet voorstellen aan kinderen, ook aan volwassenen, dan moet je dat concreet maken. Visualiseren. Hier, dat is het aanschouwelijke onderwijs. Het aanschouwelijke onderwijs. Een van de vragen van de Franstaligen is: kennen we nog de Vlamingen en is die boodschap zo belangrijk voor hen? Mm-hmm. En wat denkt u nu u dit gezien hebt? Ik weet het helemaal niet. In Strepy keert de rust na vanmiddag weer terug. Aan de onderhandelingstafel zijn ze voorlopig nog niet zover.